Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session en direct pour les journées découvertes de l'École des sciences criminelles. Cette journée découverte se tiendra en deux parties. Il y aura d'une part une présentation en direct d'environ 40 minutes sur la chaîne YouTube de la faculté selon le programme suivant. Un bref mot de bienvenue du directeur de l'École des sciences criminelles, le professeur Olivier Ribaud. Une présentation de l'école et de ses filières donnée par le professeur Andy Bécu. Enfin, ce direct se terminera par quelques mots de l'Association des étudiants en sciences criminelles par mesdames Faustine Quelot et Adeline Zieber. D'autre part, juste après ce direct, de 12h à 13h, vous aurez la possibilité de rejoindre une séance de questions-réponses sur Zoom. Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions à des étudiants ainsi qu'au staff administratif de l'école qui seront à disposition pour y répondre au mieux. Vous trouverez toutes les informations pour nous rejoindre à cette séance de réponse aux questions sur le site officiel de cette journée découverte à l'UNIL. Je laisse maintenant la parole au directeur de l'École des sciences criminelles, le professeur Olivier Ribaud. Chères gymnasiennes et chers gymnasiens, je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation de l'École des sciences criminelles que vous proposera le professeur Andy Bécu et notre association des étudiants. Nous réjouissons de vous savoir aussi nombreux intéressés à des carrières en sciences criminelles. Nous aurions bien sûr préféré vous rencontrer directement, mais nous espérons pouvoir le faire évidemment à la prochaine rentrée universitaire. Inutile de vous dire que vous êtes face à un tournant important et un certain nombre d'entre vous doivent encore, et c'est bien normal, se dire: mais qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais me diriger? Il y a plusieurs facteurs que vous pouvez prendre en compte pour cela. Le choix des études que vous allez faire n'est pas si définitif que ça déjà. Vous aurez plein d'occasions en choisissant une discipline comme la nôtre basée sur les sciences fondamentales de vous réorienter, de bifurquer. Deuxièmement, dans les sciences criminelles, il n'y a pas qu'un seul chemin possible. Il y en a beaucoup qui peuvent vous amener à des activités très différentes. Si vous préférez mener une activité de terrain, ou si vous vous sentez plus à l'aise dans un laboratoire ou dans un environnement informatique, vous devriez trouver ce qui vous convient. Ce qui compte est de donner à cette activité du sens, de se tester, de découvrir progressivement au fil des études où est-ce que vous vous sentez à l'aise, où est-ce que vous avez envie de contribuer par rapport aux enjeux et aux défis de la société. C'est là un facteur de choix qui est déterminant, beaucoup plus qu'un calcul utilitaire, hein, basé sur ce qu'on peut imaginer de l'employabilité ou des débouchés, qui seront de toute façon complètement différents quand vous aurez terminé vos études. Faire une carrière en sciences criminelles est très atteignable, car en atteignant la maturité, vous avez démontré que vous avez les capacités de base. Mais il y a deux conditions supplémentaires. La première, c'est la motivation, bien sûr. Êtes-vous sûr que vous êtes bien motivé à entamer cette carrière? Ensuite, il vous sera demandé, en première année, surtout, beaucoup d'endurance. En effet, même si vous aurez très vite des cours en criminologie et en criminalistique, ces deux notions vous seront expliquées tout à l'heure, vous devrez attendre la deuxième année pour vous immerger vraiment dans les sciences criminelles. Vous donnerez alors tout le sens à ces efforts initiaux au fur et à mesure que vous avancerez dans vos études, que vous comprendrez les grands enjeux de notre époque et que vous découvrirez quelle peut être votre contribution concrète. Nos étudiants, dès la deuxième année, vont très vite toucher à la réalité et peut-être même avoir déjà de l'influence sur certains de ces problèmes, par exemple, hein, au travers de leur travail personnel. Quoi qu'il en soit, je me réjouis de retrouver celles et ceux qui décideront de nous rejoindre, de partager notre passion pour la discipline. Je vous souhaite une très belle visite de notre institution.
Bienvenue à la présentation de l'École des sciences criminelles. Pour présenter un petit peu cette dernière, juste au niveau historique, vous informer ou vous rappeler que l'école a été fondée en 1909. Donc à l'époque, on parlait de l'Institut de police scientifique créé par Rodolphe Archibald Reiss, qui se situait au plein cœur de Lausanne, c'est ce qu'on peut voir sur l'image donc, de gauche, mais qui ensuite, avec les années, a été transféré donc, au plein cœur du campus de l'Université de Lausanne, notamment au bateau Chim qu'on voit sur les photos. Au niveau de l'appartenance en termes de faculté, il faut savoir que l'École des sciences criminelles appartient ou fait partie de la faculté de droit des sciences criminelles et d'administration publique. C'est donc une des trois écoles de cette faculté. Au niveau des activités, on se retrouve avec, en termes de formation universitaire, les trois niveaux qu'on peut retrouver au niveau universitaire, c'est-à-dire bachelor, master et doctorat. On a un bachelor en sciences forensiques. Il y a eu plusieurs masters donc, qui vont passer en revue différentes filières ou différents débouchés. Et au niveau des doctorats, on a deux doctorats, un doctorat en sciences forensiques et un doctorat en criminologie. Donc, il y a une activité d'enseignement pour donner cours, justement, dans le cadre de ces niveaux académiques, mais également une activité de recherche assez forte, due notamment aux doctorants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a environ 120 doctorants, une centaine en sciences forensiques et une vingtaine en criminologie. Donc, on a une activité de recherche qui est assez développée. On a également une activité dite de formation continue. Elle va typiquement s'appliquer aux professionnels du milieu qui vont régulièrement suivre finalement des formations pour mettre à jour leurs connaissances ou parfaire leurs connaissances. Et enfin, on a une dernière casquette qui est celle d'expertise et mandat. Il faut savoir qu'on a généralement entre 450 et 500 cas d'expertise par an qui transitent par l'École des sciences criminelles dans trois domaines d'activités principaux, les documents, les incendies et les stupéfiants. Les autres domaines ont également des expertises, mais ces trois-là sont les principaux actuellement en termes d'activité. Donc ce qui vous intéresse, je pense principalement, c'est l'aspect formation, enseignement et plus particulièrement le bachelor. Donc comme je vous ai dit, on a un bachelor actuellement en sciences forensiques qu'on peut voir en bas à droite de ce schéma, et qui peut ouvrir vers des maîtrises en sciences forensiques, mais également, vous voyez, d'autres maîtrises liées à l'École des sciences criminelles, et enfin le dernier niveau, le niveau des thèses. Donc il y a peut-être un terme ici qui vous est inconnu, ou qui est peut-être méconnu, c'est le terme de sciences forensiques, et vous vous dites peut-être, mais finalement, qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que c'est la science forensique? Est-ce que c'est la criminologie? Pour permettre d'y voir un petit peu plus clair, il y a ce schéma-ci qui peut peut-être vous aider. Donc si on part du premier niveau d'information tout en haut, on sait que le crime ou l'infraction va générer des traces, et tout l'intérêt de l'enquête, ça va être de partir de ces traces pour essayer de reconstruire finalement les événements passés, c'est-à-dire le crime ou l'infraction qui a généré ces dernières. Donc si votre intérêt se situe plutôt au niveau de la détection, la collecte ou l'analyse des traces, vous êtes plutôt sur un aspect dit de sciences forensiques, criminalistiques ou police scientifique. Si ce qui vous intéresse plutôt, c'est l'analyse du phénomène criminel et de l'infraction, on est plutôt sur un aspect criminologique. Donc voilà déjà une manière un petit peu de distinguer les deux termes et de pouvoir vous placer, vous, en fonction de votre intérêt, dans la discipline. Il faut savoir que l'aspect criminalistique est basé principalement sur des sciences fondamentales ou sciences exactes, comme les mathématiques, la chimie, la physique, la biologie, alors que si on transite vers la criminologie, on va plutôt se situer dans les sciences humaines et sociales. Là aussi, il y a une graduation finalement, un gradient entre les deux, mais il faut savoir que, par exemple, si on revient au bachelor, qui est un bachelor en sciences forensiques, c'est donc un bachelor qui a une forte composante sciences fondamentales. Ça, il faut en être conscient. Donc pour présenter ce dernier, vous avez ici un schéma que vous pouvez retrouver sur le site de l'école. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir si vous voulez plus d'informations sur
la structure du bachelor et puis la structure des cours. Néanmoins, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est que la première année, on le voit, il y a une composante sciences de base qui est présente et qui est même majoritaire en termes d'enseignement. Donc il y aura des mathématiques, de l'informatique, de la chimie, de la physique, qui vont constituer ce socle finalement de sciences fondamentales. Mais vous avez également quelques cours en sciences forensiques, criminologie et droit qui permettent d'introduire le domaine. Mais il faut savoir que tous les domaines de spécialisation en traces digitales, ADN, incendie, stupéfiants, armes à feu, arrivent finalement à partir de la deuxième année bachelor. Donc là, vous avez une autre slide qui, pareil, vous pouvez l'obtenir sur le site de l'école, où on voit très bien le module justement 1-1 et module 1-2 de la première année, donc l'année propédeutique en bachelor, où on voit que l'aspect sciences de base représente, on voit 46 crédits, alors que les sciences criminelles représentent 14 crédits. À partir de la deuxième année bachelor, on est plutôt dans la spécialisation, avec des cours bien spécifiques, faisant état de tous les types de traces qu'on peut rencontrer donc dans la pratique, dans le contexte qui nous intéresse. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas négligeable et qui doit être connu de vous quand vous commencez finalement ces études ou un bachelor en sciences forensiques. Maintenant, si je fais un petit panel des types de traces qui vont être enseignées au bachelor en sciences forensiques, on va essayer de couvrir toutes les traces qu'on va pouvoir rencontrer dans la pratique de manière traditionnelle, c'est-à-dire les microtraces, les documents, les traces de semelles, les stupéfiants, les armes à feu. On va également parler d'analyse criminelle, de fluides biologiques et d'ADN, de traces numériques, qui est un domaine qui est en pleine expansion ces dernières années dû à la numérisation finalement de la société, les phénomènes d'incendie et explosion, et les traces papillaires ou traces digitales qui représentent encore un intérêt très fort dans le milieu. Donc, on voit que c'est déjà cette typologie ou ce panel finalement de traces, on voit qu'il est très large, et c'est ce qui explique également la multitude de cours qu'on va trouver en bachelor, et surtout la nécessité d'avoir ce socle scientifique qui va venir soutenir les cours spécialisés. Donc on va avoir des thématiques qui vont être transversales, qui vont inclure aussi bien finalement la fixation de l'état des lieux que l'enregistrement photographique, l'observation en microscopie ou le traitement des données. On le voit ici avec une carte qui permet en quelque sorte d'analyser un phénomène sur un aspect spatio-temporel mais également géographique. Au niveau de la photographie, ça fait partie finalement du cœur du métier, c'est la base en termes aussi bien d'enregistrement de la scène de crime que l'enregistrement des traces détectées. Et donc, cette photographie représente aussi un enseignement très présent en bachelor, en deuxième année bachelor, où il y a une formation donc en imagerie pour maîtriser ces appareils et de pouvoir, en quelque sorte, enregistrer de manière correcte les traces ou les lieux qui sont visités. Ensuite, si on part sur une trace qui est connue depuis aussi plus d'un siècle, on a les traces digitales. Donc là, au niveau de la formation, il y a tout l'aspect lié à la détection de ces traces. Comment est-ce qu'on fait pour observer, détecter des traces sur des objets à traiter? Et derrière, également, comment on les exploite, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut relier une trace avec une source, à partir notamment des empreintes digitales, comme on peut le voir sur l'image de droite. Donc, traces digitales, traces de semelles, on a le même schéma d'enseignement, c'est-à-dire finalement le fait que les criminels vont se déplacer sur les lieux, ils vont forcément laisser à un moment donné des traces liées à leurs chaussures ou à leurs souliers, et ces traces, il va falloir les observer, les détecter, pour pouvoir, on le voit, soit les prendre en photo, soit les prélever par le biais de moulage, et ensuite exploiter finalement ces traces pour faire un lien de source avec potentiellement des chaussures saisies chez un suspect, ou apporter des informations d'enquête, comme le nombre d'individus potentiellement présents, les trajectoires prises et détecter en quelque sorte des lieux d'intérêt dans une scène qui a par exemple un cambriolage. Autre trace d'intérêt, les fluides biologiques et l'ADN. Donc on entend beaucoup parler d'ADN ces dernières années. C'est une trace qui se situe au même niveau que les traces digitales, on va dire au niveau de la connaissance du grand public. Mais il faut savoir que l'ADN en soi, c'est une trace qui est contenue dans une autre trace et plus particulièrement des fluides biologiques. Donc par fluide biologique, on entend le sang, le sperme, les sécrétions vaginales ou la salive. Donc ce sont des fluides qu'on peut retrouver sur certains cas, dans certains contextes d'agression sexuelle ou d'homicide.
Et une des questions qui va être posée au niveau de l'enquêteur, ça va être de déjà repérer, détecter ces traces, mais surtout de pouvoir les caractériser. On est face à une tache d'un fluide inconnu, de pouvoir dire finalement si c'est du sang, du sperme, des sécrétions vaginales ou de la salive. Et ensuite, derrière, de pouvoir en collecter l'ADN, l'analyser, pour pouvoir faire un lien de source avec un individu. Au niveau des traces, il y a des objets. Donc, on a parlé des traces de semelles juste avant, mais on a également les armes à feu qui sont bien connues aussi et qui sont souvent rencontrées dans les cas d'agression ou d'homicide par justement ces armes à feu. La question qui va se poser ici, ça va être une des questions qui peut se poser, c'est de se dire est-ce qu'une arme saisie chez un suspect est l'arme qui a tiré les projectiles retrouvés sur la scène. Donc ça peut être une question d'intérêt. Une autre question pourrait être de se demander si un individu qui a été interpellé a tiré avec une arme récemment, donc est-ce qu'on va retrouver des résidus de tir sur ses mains, ou encore, par rapport, si on reste sur la question des résidus de tir qu'on voit donc là ici sur l'illustration du bas, quitter le canon dans la même direction que le projectile, une des questions qui pourrait se poser, c'est de se dire à quelle distance était l'arme de la victime pour, par exemple, décider ou prendre une décision sur une question de savoir si c'était un suicide ou un homicide par rapport à la distance entre l'arme et la victime. Donc toutes ces questions-là vont reposer sur l'observation de caractéristiques, soit de stries sur les éléments de munitions, soit de présence de particules liées aux résidus de tir, qu'il faut pouvoir observer, détecter et également analyser. On reste toujours sur ce schéma-là. Les stupéfiants, là c'est une grande famille finalement de composés qu'on va retrouver, pour citer les plus communs, on peut retrouver le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy, l'héroïne ou le GHB. Là aussi, plusieurs questions vont se poser. Face à des substances inconnues, déjà de les qualifier, de pouvoir dire ce que c'est, est-ce que c'est du cannabis, est-ce que c'est de la cocaïne, de l'héroïne, ou est-ce que c'est un composé qui n'est absolument pas un stupéfiant. Mais il y aura également la question de la quantification, puisque d'un point de vue légal, il y a une caractérisation finalement de l'infraction qui va se faire au niveau de la quantité saisie. Et une dernière chose qui peut être faite au niveau des stupéfiants, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle le profilage, c'est-à-dire déterminer les caractéristiques physico-chimiques du mélange saisi pour essayer en quelque sorte d'identifier un réseau qui aura, par exemple, un point commun qui aura fourni plusieurs distributeurs, ou bien remonter au niveau géographique à des sources en termes de pays ou de laboratoires. Pour ce qui est des micro-traces, comme leur nom l'indique, ce sont des traces qui sont microscopiques dans leur taille. Et là, on va retrouver différents types de traces qui sont concernées par ce terme. On peut avoir des fragments de verre, comme on le voit avec l'image d'archives sur la gauche, ou bien sur la droite, on voit ces fragments de verre qu'il va falloir finalement analyser pour pouvoir les relier potentiellement à un objet ou une activité. Également la question des poils ou des fibres pour déterminer s'il y a eu agression, s'il y a eu attaque au couteau, comment ça a pu se passer, et également s'il y a eu un transport, par exemple, de corps avec un transfert de fibres entre une victime et un criminel, de pouvoir justement établir ce lien et de pouvoir, en quelque sorte, proposer des éléments d'enquête aux enquêteurs. Enfin, par rapport aux documents, la question qui va se poser, ce sera également de se dire, est-ce que, on peut se poser la question de la source, mais également au niveau de la caractérisation des encres, si on a un document sur lequel, on le voit sur l'image de droite, à l'œil nu, on a l'impression que le chiffre 1000 a été écrit avec le même stylo, on voit la même encre bleue, on voit que si on observe ce document sous différentes longueurs d'onde, bien spécifiques, on verra une distinction entre deux encres, ce qui permettra de mettre en évidence des manipulations, par exemple, de documents ou un ajout qui n'était pas présent à la base. Au niveau des phénomènes, un des phénomènes qui est, comme je vous l'avais dit, parmi les plus actifs dans les expertises à l'École des sciences criminelles, c'est l'investigation d'incendies et d'explosions. Là aussi, on voit, on arrive sur des lieux qui sont passablement modifiés par rapport à leur structure d'origine, et il va falloir, dans ces lieux, retrouver les traces d'intérêt pour reconstruire les éléments et, par exemple, répondre à la question de savoir si c'était un incendie volontaire ou accidentel. Enfin, par rapport à l'évolution de la société, donc on est dans une société du numérique. Vous avez sans doute tous un compte
liés aux réseaux sociaux, ou bien que ce soit aussi bien Facebook, Instagram qu'un compte Google. Donc il faut savoir qu'on laisse actuellement énormément de traces de nos activités sur les réseaux, sur nos appareils également, si vous avez un Atel. Et donc, on a toute cette notion de traces numériques qui a émergé ces dernières années, qui est très vaste, sachant que les traces numériques, ça peut aussi bien être un numéro IP, qu'une coordonnée GPS, qu'un message laissé sur un forum, qu'un identifiant ou autre. Et donc, il y a toute une série également de compétences à acquérir pour accéder à ces données, les collecter et ensuite les analyser. Donc, tous ces éléments-là vont être couverts dans le bachelor. Donc, on le voit, c'est un programme qui est finalement très vaste. Ce sont des études qui sont extrêmement exigeantes en termes de connaissances à acquérir. Et donc, ça s'explique notamment par la variabilité, la diversité des traces qu'il faut pouvoir justement collecter et analyser. Maintenant, et brièvement, si je vous projette 3 ans après le début du bachelor, il y a la possibilité également de faire des masters. On le voit que là, la panoplie de masters est très large. On va de la science forensique à la criminologie, puis au droit, en allant de la gauche vers la droite. Et vous voyez qu'il y a 3 masters qui ont un socle commun. Donc le master en sciences forensiques, en criminalistique chimique, identification physique et investigation numérique. Également un master en traceologie, analyse de la criminalité, criminologie et sécurité et magistrature. Donc ce choix-là se fera plus tard en fonction de vos intérêts qui se sont développés si vous faites un bachelor en sciences forensiques qui se seront développés durant votre bachelor ou bien dans toute autre formation que vous auriez. Le choix du master va principalement déterminer votre spécialisation et ensuite, in fine, également les milieux professionnels dans lesquels vous évoluerez. Donc gardez en tête cette évolution entre la science forensique vers la criminologie, où on va partir plutôt de la trace ou plutôt de l'analyse du phénomène criminel, et ce qui vous situera sur ce schéma. Si maintenant j'en viens à parler des étudiants ou des cohortes qu'on accueille donc à l'école des sciences criminelles, on le voit avec les années, le nombre d'étudiants augmente, c'est un phénomène qui ne s'arrête pas, qui est constant. Donc on a chaque année de plus en plus d'étudiants qui dénotent l'intérêt finalement pour ce genre d'études et qui montrent aussi que la discipline évolue. Là, par exemple, j'ai parlé des traces numériques, justement, c'est une nouvelle, en quelque sorte, nouvelle discipline qui tend à évoluer, à se développer. Et donc, il n'est pas étonnant que le nombre d'étudiants augmente. On le voit typiquement sur le schéma en 2018, il y avait plus de 300 étudiants en bachelor en sciences forensiques. Ensuite, ça diminue avec les masters en fonction des choix de chacun, chacune. Mais donc, il faut le rappeler, ce sont des études qui sont à haute exigence. Souvent, la première année bachelor, c'est une année assez difficile, c'est un cap assez difficile à franchir, parce qu'il y a justement toute cette base scientifique à acquérir. Et ensuite, la poursuite dans les différents niveaux. Maintenant, si je vous projette un petit peu plus loin, c'est-à-dire sur les débouchés, il y a différentes... ça, c'est une question forcément que vous vous poserez à un moment donné, c'est de savoir quoi faire après ces études. Là aussi, tout dépend de votre formation et de votre spécialisation. Mais si on repart sur ce schéma allant de la science forensique à la criminologie, il y a effectivement la possibilité, si on reste sur un aspect très fortement forensique, d'évoluer sur les scènes de crime et dans les laboratoires. Donc là, on parle des services d'identité judiciaire dans les différents cantons de Suisse. Pour les laboratoires, on peut partir sur des laboratoires d'expertise, comme le CURN, qui est accrédité pour l'analyse de l'ADN, des laboratoires liés à l'alimentaire, à l'environnement, dans les sociétés privées également, il y a un intérêt pour engager des diplômés de l'école, et également au niveau de l'administration publique, toutes les questions du dopage qui actuellement font la une et puis continuent finalement à être d'intérêt pour le sport. Donc là, toutes ces questions-là sont également compatibles avec le diplôme ou les acquis accumulés durant la formation. Au niveau de la sécurité et du renseignement, là aussi, il y a une évolution dans la police avec l'analyse criminelle, dans les sociétés privées qui vont lutter contre la contrefaçon et les marchés illicites. Et puis, pour ce qui est de l'analyse et l'évaluation, il y a tout l'aspect pénitentiaire ou administration publique sur le biais de sondages pour, en quelque sorte, déterminer, par exemple, la perception du grand public sur un phénomène criminel, sur un sentiment de sécurité.
Et au-delà de l'aspect criminel, il y a également tous les débouchés qui vont être liés à la résolution de problèmes, parce que finalement, les études en sciences forensiques vont vous demander de résoudre finalement des problèmes avec des bases posées et puis sur lesquelles on ne connaît pas la réponse a priori. Donc, s'il y a des intérêts pour des débouchés dans l'Office des statistiques, l'industrie alimentaire ou la sécurité des laboratoires, ce sera également compatible avec les études. Au niveau des polices et des corps des gardes frontières ou des services de renseignement ou douanes, là aussi, vous avez sur ce schéma en quelque sorte une répartition de où se sont retrouvés les diplômés de l'école au fil des années. On voit que beaucoup de nos diplômés se sont retrouvés dans les services d'identité judiciaire, donc il y a une intervention sur les scènes de crime, la recherche, la collecte de traces et l'analyse. On voit qu'une bonne partie également s'est retrouvée au niveau managérial. Donc là, on parle de commandants ou de chefs de sûreté qui sont en place dans les différents cantons et qui sont issus de l'école. Les traces numériques, on voit qu'il y a une petite portion, mais c'est une trace qui va forcément se développer avec le temps et une portion qui va sans doute s'élargir avec les années. Le renseignement, donc toute cette activité d'analyse criminelle qui n'était pas connue il y a 10 ans de ça et qui maintenant se développe et pour lequel les cantons, justement, sont demandeurs, et puis d'autres débouchés. Donc on voit que quand on parle de débouchés dans les polices, là aussi, il y a différentes voies possibles en fonction de vos intérêts personnels. Au-delà de la Suisse, il y a également le fait d'aller à l'étranger, c'est-à-dire de devenir en quelque sorte ambassadeur ou ambassadrice de l'école à l'étranger. Il faut savoir qu'on accueille donc une forte proportion aussi d'étudiants qui viennent de pays francophones comme la France ou la Belgique ou autres, et ensuite qui décident de repartir, par exemple, dans leur pays. Ça, c'est tout à fait également possible pour ce qui est des diplômés. Maintenant, on le voit, hein, si on regarde un peu l'évolution de la société, on est dans une société qui est de plus en plus rapide, les évolutions sont de plus en plus fréquentes, et donc, aussi bien au début du siècle passé, on le voit, les empreintes digitales, l'utilisation des empreintes digitales dans les sciences criminelles date du début du XXe siècle. Il a fallu attendre 85 ans pour commencer à exploiter l'ADN. Donc on voit, il y a quasiment, donc c'est le domaine d'une vie pour l'exploitation d'une nouvelle trace d'importance. Et puis ces dernières années, les choses se sont vraiment emballées. On ne parle plus vraiment de dizaines d'années ou de 5 ans, mais des fois d'évolutions qui peuvent se faire d'une année à l'autre. Donc là, ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que dans 2-3 ans, il y aura des nouveaux éléments qui auront chamboulé en quelque sorte ce schéma, mais toujours est-il que la base et les fondamentaux qui sont enseignés, eux, resteront valables, quel que soit finalement le type de trace ou quels que soient les développements qui sont à venir. Maintenant, vous avez peut-être des questions liées à cette présentation, donc là, vous aurez l'occasion de les poser. Et puis, justement, vous voyez ici quelques questions principales qu'on reçoit. Typiquement, donc, de savoir si ça ressemble à ce qui se passe dans les films, si justement on n'est pas trop ami-ami avec les mathématiques et la physique, est-ce que ça peut poser un problème ou autre. Donc là, n'hésitez pas à les poser, les gens sont là également pour y répondre, et soit pour vous rassurer, soit peut-être pour confirmer justement un sentiment que vous auriez. Donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Bien, maintenant je vais laisser la parole à Faustine Queuleau et Adeline Sieber qui vont venir vous parler au nom de l'Association des étudiants et étudiantes en sciences criminelles. Alors, bonjour, je me présente, moi c'est Faustine, la coprésidente de l'AESC. Donc on va vous présenter un peu ce qu'on fait. Donc concrètement, on est là pour vous aider. Et on est composé d'un bureau et puis de membres dévoués. Et on est là pour répondre à vos questions, si vous avez besoin d'aide en cas de besoin, si vous avez envie d'avoir des liens avec une autre institution. Enfin, on est vraiment là pour vous, en fait, et aussi pour organiser des événements pour que tout le monde puisse rassembler et avoir des moments de détente. Ensuite, donc, la composition, elle se fait qu'il y a un bureau. Et ce bureau, en fait, dirige deux commissions. La commission des fêtes, qui s'occupe d'organiser tous les événements festifs, et la commission culturelle, qui est plus des événements, j'ai envie de dire, culturels, comme des conférences, par exemple. Puis après, on est toujours ouvert à ce que des gens viennent pour nous proposer des projets.
Donc, pour être membre de l'AESC, il suffit juste d'être un étudiant de l'école des sciences criminelles. Et après, ben, on est là justement ben, pour vous accueillir, notamment, et pour vous aider au mieux avec, pour l'intégration, pour bien que vous vous orientez dans vos études. Et après, on a aussi des guides d'étudiants qui sont disponibles pour un peu un premier pas, en fait, à l'université, qui sont disponibles normalement sur le site internet, mais on va en parler après. Et donc, en gros, ben on est là pour aider la communication entre les différentes volées, pour, ben voilà, si vous avez des hésitations, des problèmes avec un examen, par exemple, ou un cours, ben on est là pour vous donner, par exemple, des résumés, vous conseiller comment approcher un cours ou un autre. Et après, on est aussi là pour un réseau professionnel parce qu'on a un partenariat avec deux autres associations de l'ESC, qui est Think Forensic, qui est une association qui est plus pour trouver des stages ou un job après les études, qui n'est pas forcément qu'en Suisse, mais aussi dans le monde entier. Et après, il y a l'ADSC, qui est l'association des diplômés en sciences criminelles. Donc, dès qu'on est diplômé, on peut faire partie de cette association. Et ben, ça permet de, pareil, maintenir le réseau et garder contact avec ses volets ou les autres membres de l'ASC. Et après, donc, au niveau du reste du campus, ben, on a une représentation au sein de la FAE, donc, qui est l'association des étudiants de l'UNIL. Et on est là aussi pour des informations sur des activités universitaires et autres. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Adeline. Bonjour à tous. Donc, comme Faustine vous l'a dit tout à l'heure, on a notamment une commission culturelle. Donc là, vous pouvez voir un peu ce qu'elle s'occupe d'organiser. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des visites, des musées ou autres, des conférences qui sont organisées. Et le grand événement de la commission culturelle, c'est notamment les soirées ludiques, où c'est vraiment juste des soirées jeux de société. Et aussi d'autres sorties qui sont organisées. Il y avait notamment eu du paintball, bubble foot ou autre. Si aussi il y a des idées, on est toujours preneur. Ensuite, il y a la commission des fêtes également. Donc là, elle s'occupe d'organiser de soirées en boîte de nuit, avec notamment la nuit du crime et la cold case. On a aussi les pub nights. Là, en fait, on se retrouve dans un bar de la ville où on peut vraiment juste tous se retrouver, discuter. C'est vraiment bien bonne ambiance. On a aussi fait, par exemple, des soirées karaoké. On participe aussi à UniLive, qui est un petit festival qui a lieu sur le site de l'université. Et ensuite, il y a des événements qui sont plus organisés par le bureau ou les autres membres de l'association, avec par exemple la soirée parrainage. On met justement ce système en place dès l'entrée en deuxième année pour vraiment avoir une aide pour les différents cours. Si on a des questions comme ça, on a vraiment un parrain, un peu un référent. On a aussi des séances d'information pour les masters qui sont organisées par les différents étudiants. On tient aussi le bar de la fondue de l'ESC, qui est un grand événement, vous aurez l'occasion de le découvrir. On organise aussi une fête de fin d'année au bord du lac, quand la météo nous le permet. Et un tutorat pour les nouveaux étudiants qui arrivent chez nous en master et qui n'ont pas fait le bachelor ici. Donc là, on vraiment les encadre, on leur montre de tout ce qu'on a fait avant. On organise aussi des événements avec d'autres associations, comme Faustine vous l'a dit, il y a notamment Think Forensic et la DSC. Alors, on organise par exemple des after-work pour tous se rencontrer de plus dans un cadre convivial. On organise aussi notamment des ventes de blouses, de pulls, de t-shirts. On essaye d'avoir des petits trucs sympas. Généralement, ça plaît bien. On a aussi un membre de l'ESC qui a mis en place ce site qui permet de revendre et acheter des livres d'occasion. Donc c'est vachement pratique. Là, par exemple, si, quand vous arrivez, peut-être si vous avez besoin d'un livre, vous pouvez toujours y regarder ce qu'il y a de disponible. Et donc, forcément, on a un local au bâtiment Batoshim si vous voulez nous retrouver, mais si vous voulez aussi nous contacter un peu plus prochainement. Vous pouvez sans doute le faire via le site internet, par email
On a aussi un compte Facebook, Instagram, vous retrouvez les noms ici sur cette slide. Et donc, c'est tout pour nous et on espère vous voir prochainement. C'est ainsi que s'achève cette présentation en direct. Vous pouvez nous rejoindre dans quelques minutes à la session de réponse aux questions sur Zoom. Au revoir et merci de votre participation à cet événement organisé cette année totalement en ligne.